C'est certainement la plus grosse affiche des quarts de finale de la Ligue des Champions entre ces deux poids lourds du football européen, ces deux mastodontes, la Casablanca qui détient le record de victoire dans cette compétition, 14 fois sacrée, va tenter ce soir dans son stade mythique de Santiago Bernabéu de faire vaciller, de faire trembler les citizens, champions d'Europe en titre. Real Madrid, Manchester City. Quart de finale, allez, c'est la Champions League, mesdames, messieurs! Très grande affiche européenne ce soir. Allez, on va regarder ensemble les compositions des deux équipes et on va commencer par celle concoctée par l'entraîneur italien du Real, Carlo Ancelotti. Dans les buts, on trouvera l'Ukrainien Lounine avec une défense à 4, Ferland Mendy, Nacho, Antonio Rudiger et Carvajal. 4 milieux de terrain, côté gauche Camavinga, côté droit Aurélien Tchouaméni. Devant la défense, le capitaine allemand Toni Kroos. En meneur de jeu, la pépite anglaise Jude Bellingham. Et devant le duo brésilien Vinicius Junior aux côtés de Rodrigo. Du côté de la composition de Pep Guardiola, on retrouvera dans les buts le Brésilien Ederson avec une défense à 3. Nathan Ake, Ruben Dias et Kyle Walker. Devant la défense, on retrouvera Johnston et Rodri. Dans le couloir gauche du milieu de terrain, Kevin De Bruyne. Dans le couloir droit, Bernardo Silva. Sur l'aile gauche de l'attaque, Alvarez. Sur l'aile droite, Phil Foden. Et seul en pointe, le cyborg Erling Haaland. Allez, c'est parti pour ce quart de finale aller de la Champions League entre le Real Madrid qui reçoit les Anglais de Manchester City. Bellingham, Rodrigo qui est pris par le pressing de Johnston pour Alvaro Alvarez, l'Argentin. Alvarez qui va retrouver Kevin De Bruyne pour Erling Haaland. Oh, l'ouverture du score de la 3e minute. Signe du cyborg Erling Haaland qui va mettre une fusée dans la lucarne de l'Ukrainien Lounine qui est battu d'entrée de jeu dès la 3e minute de jeu et qui vient refroidir les tribunes de Santiago Bernabéu. 1-0 pour Manchester City face au Real Madrid. Et on voit la colère là de Carlo Ancelotti. 7e but cette saison en Ligue des Champions pour le Norvégien. Un début de match compliqué pour les Merengues. Camavinga qui est contré. Et Erling Haaland contrôle poitrine. Il revient s'appuyer derrière sur Ruben Dias qui va décaler. Nathan Ake. Alvarez. Kevin De Bruyne. Il est passé le Belge là. Kevin De Bruyne qui va retrouver Erling Haaland. Erling Haaland s'est récupéré par le Real Madrid. Vinicius Junior, le Brésilien qui prend de la vitesse. Oh super, Vinicius Junior. Vinicius Junior qui prolonge l'attaque là pour Rodrigo qui vient égaliser et remettre les deux équipes à égalité. 10 minutes de jeu et déjà un but partout entre le Real Madrid et Manchester City. On revoit Vinicius Junior qui avait un peu trop poussé son ballon et en taclant, il arrive à retrouver son compatriote Rodrigo qui n'a pas tremblé face au Brésilien et portier de Manchester City, Ederson. Quel début de rencontre pour ce quart de finale aller. Bernardo Silva. Walker, Phil Foden, Rodri, l'Espagnol qui talonne sur Bernardo Silva. Bernardo Silva toujours. Silva, Bernardo Silva, magnifique de la part de l'international portugais qui se retourne. Mais sa frappe est contrée, il me semble. Non, elle n'est pas contrée.
Ça serait une sortie de but sous le regard de Carlo Ancelotti, inquiet, malgré l'égalisation de son attaquant Rodrigo. Lunin. Mendy. Toni Kroos. Antonio Rudiger, l'international allemand, qui va retrouver son compatriote Toni Kroos. Rodrigo qui retrouve Vinicius Junior. La sortie dans les pieds du Brésilien Ederson. Et gros pressing là des Merengues. Rodrigo, la frappe de Rodrigo, mais pas assez croisée pour inquiéter Ederson. Ça chauffe là dans la surface de réparation anglaise. Et coup franc pour la formation de Carlo Ancelotti. Antonio Rudiger qui a posé ce ballon. Aurélien Tchouaméni. Bellingham qui va retrouver Tchouaméni pour Vinicius Junior qui va décaler. Rodrigo qui tente sa chance et l'envolée derrière de Ederson. Eh bien, pour l'instant, la Casablanca fait douter les champions d'Europe en titre, malgré l'ouverture du score des Anglais. Phil Foden pour réaliser cette touche. Bernardo Silva qui va décaler. Rodri. Côté droit sur Bernardo Silva qui va accélérer. Bernardo Silva, il est passé. Bernardo Silva qui revient retrait sur Erling Haaland. Rodri face à Mendy. Il revient arrière. Erre sur le Norvégien qui essaye de faire parler sa puissance, mais il ne passera pas Erling Haaland. Et c'est le contre maintenant pour les Madrilènes avec Vinicius Junior qui est bien pris là par le retour de John Stone. Kevin De Bruyne. Et il a pas trop poussé son ballon, ça peut profiter à Jude Bellingham, mais ça va être récupéré par la défense anglaise. Phil Foden. Rodri. Pour Bernardo Silva, il a pris de vitesse toute la défense des Merengues. Rodiger, oulala, c'était chaud là. Dans la surface de réparation espagnole, Vinicius Junior qui fait parler sa vitesse de course. Vinicius Junior à côté, la frappe de Vinicius Junior qui n'est pas cadré. Ah, quelle occasion là pour les Madrilènes. Ruben Diaz. Bernardo Silva, Phil Foden dans la course de Bernardo Silva. Bernardo Silva qui est bien pris là par Nacho. Bellingham, Rodrigo. Oh, super ballon là de Rodrigo pour Cavaral. Cavaral le sac pour Camavinga. La tête plongeante de l'international français, mais directement dans les bras d'Ederson. Encore une énorme occasion là pour les Merengues. Erling Haaland, il est hors jeu. Bernardo Silva, bien signalé par l'arbitre de touche. Ouais, 2-3 mètres. Qu'on voit beaucoup, hein, Bernardo Silva, du côté des Citizens. Ruben Diaz. Rodri. Phil Foden qui va combiner avec Bernardo Silva qui réalise une mauvaise passe et c'est directement sur Ferland Mendy. Antonio Rudiger. Et c'est la mi-temps sur ce score de parité. Un but partout entre le Real Madrid et Manchester City. C'était Erling Haaland qui avait ouvert le score, son 7e but cette saison en Ligue des Champions. Et Rodrigo lui a répondu à la 11e minute de jeu. Allez, on se retrouve pour la deuxième période. Allez, on se retrouve pour cette seconde mi-temps
pour ce quart de finale aller entre le Real Madrid et Manchester City. Un but partout. Phil Foden. Bernardo Silva pour Phil Foden. Phil Foden, et il passera pas face à Nacho qui va retrouver Camavinga. Qui va décaler Vinicius Junior en retrait pour faire l'Armendi. Bellingham. Vinicius Junior qui se met face au jeu. Il va retrouver Rodrigo. Côté gauche sur Camavinga. Il essaye de retrouver Rodrigo Camavinga, mais ça passe, c'est pas assez appuyé. Ça va être récupéré par les Sky Blues. Erling Haaland, il est passé, le Norvégien. Erling Haaland au-dessus, la frappe de Erling Haaland. Il était tout seul, international norvégien, et il ne cadre pas. Et Kovalic va entrer à la place de John Stones, du côté des hommes de Pep Guardiola. Lewin, Carvajal. Pour Tchouaméni, Bellingham, Rodrigo, super ballon pour Camavinga qui remise sur Rodrigo. Quel retour du Portugais Ruben Diaz. Phil Foden dans l'axe pour Alvarez, l'Argentin qui a perdu ce ballon. Ça va profiter au Merengue avec Rodrigo. Rodrigo qui va fixer la défense des Citizens. Il va retrouver Aurélien Tchouaméni. La frappe plat du pied, c'est pas fini pour Vinicius Junior. Tchouaméni qui peut pas frapper. Tchouaméni qui va temporiser, il va revenir en soutien sur Toni Kroos qui se bat. Ce ballon est toujours pour la Casablanca. La frappe derrière de Vinicius Junior. Mais pas assez puissante pour inquiéter Ederson. Toni Kroos, Nacho, Tchouaméni, Bellingham, Toni Kroos, oh, c'est magnifique. Rodrigo, le doublé pour Rodrigo, et qui vient faire soulever les tribunes de Santiago Bernabéu. 2-1 pour le Real. Ah, c'est de la folie! Et alors qu'ils étaient menés 1-0, hein, les hommes de Carlo Ancelotti, quelle réaction et quel mental des Merengues. Le doublé pour le Brésilien Rodrigo, qui vient tromper son compatriote en équipe nationale, Ederson. 2-1 pour le Real Madrid face à Manchester City. Kevin De Bruyne, peut-être pour une réaction des Citizens. Il est passé, l'international belge. Kevin De Bruyne, la frappe enroulée, l'envolée encore incroyable, fantastique, du gardien ukrainien du Real Madrid, Lunin. Et Eduardo Camavinga va laisser sa place à Federico Valverde, l'Uruguayen. Rodri, l'Espagnol, pour tirer ce corner, il le joue à deux avec son capitaine Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, il n'est pas attaqué, il va revenir sur Alvarez qui est bousculé. L'arbitre ne sifflera pas de faute pour les Anglais. Et c'est le contre avec Valverde, il a du jus, il vient de rentrer Valverde. La frappe au-dessus de l'Uruguayen face à Ederson. Cette frappe qui vient s'envoler dans les tribunes de Santiago Bernabéu, et Luka Modric qui va rentrer le Croate à la place de Toni Kroos. Ederson, Walker, Kyle Walker, Bernardo Silva, Phil Foden qui vient s'appuyer sur Walker, qui essaye de allonger magnifiquement sur Bernardo Silva. Erling Haaland qui va rejouer sur Rodri, mais Rodri est devancé l'Espagnol. Et c'est le contre pour la formation de Carlo Ancelotti qui va perdre le ballon. Kovacic. Alvarez qui va décaler Phil Foden, la talonnade pour Alvarez, la frappe de l'Argentin qui est contrée par la défense centrale madrilène. Bellingham en profondeur pour Rodrigo. Et Rodrigo directement sur Nathan Ake. Kyle Walker. Et Fernand Mendy qui est pris là par le pressing des Sky Blues avec Bernardo Silva en retrait pour Kyle Walker.
Walker qui repique dans l'axe, il va peut-être pouvoir frapper le latéral droit anglais, il préfère remiser sur Bernardo Silva qui est contré par Nacho, mais Erling Haaland a fait le pressing et va perdre le ballon, là le Norvégien s'est récupéré, Ferland Mendy qui prolonge à Valverde, qui est pris par Rodri. Et on va bientôt rentrer dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Et Lucas Vázquez va rentrer à la place de Carvajal et Akanji va rentrer du côté des Citizens. Mendy, Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo qui va retrouver Vinicius Junior face à Ruben Diaz. Superbe geste technique de Vinicius Junior pour Aurélien Tchouaméni, Vázquez, Aurélien Tchouaméni, Rodrigo et qui est contré, c'est récupéré par les Anglais, Erling Haaland. Alvarez, Bernardo Silva, Walker qui rejoue sur le portugais et passera pas Bernardo Silva. Nacho, Aurélien Tchouaméni, magnifique là, l'international français, il va retrouver Rodrigo qui va retrouver Bellingham, il l'a vu sur le couloir gauche, Mendy qui va pouvoir centrer pour la tête de Rodrigo, la tête croisée de Rodrigo, le hat-trick pour le Brésilien, le coup du chapeau, c'est de la folie ici dans cette tribune de Santiago Bernabéu, 3-1 pour les Madrilènes. Face à Manchester City, champion d'Europe en titre. On revoit cette tête magnifique de Rodrigo. En feu ce soir dans ce quart de finale aller. Ah, les points serrés de Rodrigo. Les hommes de Pep Guardiola ont un genou à terre. Walker. Bernardo Silva, Rodri, Walker, il est passé, face au pressing de Mendy, il va retrouver Bernardo Silva pour Erling Haaland, la frappe croisée, la réduction du score, signe du Norvégien, Erling Haaland, le doublé, pour Erling Haaland, le cyborg, 8e but cette saison en Ligue des Champions. Pour Erling Haaland, qui redonne espoir à la machine de Manchester City. Ah, la frappe croisée, il est trop court, Lunin. Ah, les points serrés de Pep Guardiola. Ah, il leur en faut pas beaucoup, hein, des occasions là pour les Anglais. Antonio Rudiger, Luka Modric qui va décaler Valverde et qui est pris en taclant par Rodri. Vinicius Junior, Bellingham, oh, superbe ballon pour Valverde face à Walker, il est contré par l'international anglais Ruben Diaz, le portugais. Et c'est terminé sur ce score de 3-2 pour le Real Madrid face à Manchester City grâce à un trick, un coup du chapeau pour cet homme, Rodrigo.